Anybody there? Aaron! Hey! Voilà, rebonjour à tous. Donc après cette belle cinématique qui explique. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, hein, la ville se fait aspirer, nous voilà. Sommes absorbés et on se retrouve donc un peu plus tard projeté sur cette île. Cette magnifique île. Donc entre temps, je vous ai pas montré, on se retrouve à l'intérieur, donc l'espèce de monstre qui nous a absorbé, okay. Etc. Mais c'est trop long. Donc on se retrouve sur une île pour rencontrer les premiers prétendants de l'histoire, en l'occurrence Waka, donc un jeune homme qui s'appelle Waka, qui joue au Blitzball, tout comme Tidus. Sauf que là, Tidus donc s'est retrouvé sur la même planète, sauf qu'il s'est retrouvé 1000 ans plus tard sur cette planète-là. Donc sa ville n'existe plus, tout le monde le prend pour un soi-disant taré. Tu viens de là-bas, mais ça n'existe pas. Voilà. Et puis en plus, cette ville-là est considérée comme une ville profanatoire parce qu'elle utilisait les machines à l'époque, la technologie, et maintenant ils sont contre ça. Ok, d'accord. Il trouve. C'est vraiment joli. Pardon, je t'écoute, mais. Le jeu, ouais, tout à l'heure, tu fais. Ouais, les effets d'eau, là, en plus. Et surtout, pour, comme tu l'as dit pour 2002. Tout à l'heure, pour 2002, c'est vraiment. La PS2 avait 2 ans. Ouais. Oui, exact. Mais c'est vrai que c'est vraiment joli. Donc, oui, qu'est-ce que je disais au final? Bah voilà, on se retrouve sur l'île hein, pour commencer le jeu, parce que. Donc. Oui, les phases de combat, tiens, quand j'y suis, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ah, que ça se passe. Vous explorez le monde et c'est sous forme de verre qui se brise. Donc là-bas, on peut choisir différentes techniques, donc attaquer, on choisit le personnage, plutôt le monstre que l'on veut attaquer. Donc là, j'attaque le monstre A, parce qu'il était, vous voyez, juste après moi. Là, par exemple, c'est Waka qui joue. D'accord ? Il a la balle. D'accord, on voit ça, ouais. Juste après Waka, c'est le monstre B. Donc, en toute logique, je vais attaquer le monstre B pour pas qu'il puisse jouer après. Comme ça, après, c'est moi qui joue. Je sais pas si vous avez compris, mais vous pouvez regarder la petite colonne en haut à droite, vous comprendrez, ça va très bien. La logique. Donc voilà, donc au final, comme je suis un peu je suis bizarre pour les autres, parce que bah, voilà, je viens d'une ville qui n'existe plus, on ne comprend pas, donc ouais. Je dis que je suis amnésique. D'accord. Il est amnésique et on va l'aider à. Enfin, ils vont vouloir l'aider à retrouver sa ville natale, bon, sachant qu'elle n'existe pas, vu qu'il n'est pas amnésique. Encore une petite phase de combat. Bon, c'est relativement. Des fois, c'est agaçant. Ça, je vous dis, quand vous êtes. On peut pas les éviter. Vous pouvez pas, non. Pas comme dans certains RPG modernes. Oui, vous pouvez pas. D'ailleurs, dans les derniers Final Fantasy, les monstres étaient visibles. Par exemple, je te dis. Final. Attention. C'est pas public. Final. Là encore, t'auras des problèmes, là. Je crois que sur le net, on va me balancer de grosses critiques. J'ai dû faire un buzz vers l'espace. Ah oui, non, mais là, ça y est, là. Sachant que nos vidéos sont vues à 200 000 personnes par minimum. Jour. Donc, on continue les petites attaques. Vous avez des attaques spéciales aussi, vous voyez, spéciaux, nécessités. Ouais. Donc, c'est pour causer des altérations d'état aux personnages. Enfin, aux monstres. Donc, le fait qu'ils deviennent. Qui ratent leurs prochaines attaques, qui sont empoisonnés. D'accord. Ouais. Et elles sont classiques. Dans tous les Final Fantasy, vous retrouvez ces altérations. Ok. D'accord. Ouf, mais oui. Les menus, ça va, c'est pas trop long. Les menus, non, ça va, ils sont relativement sobres. C'est bien foutu. Bah, d'ailleurs, vous appuyez sur la touche triangle pour accéder au menu. Et donc là, bah, vous pouvez donc voir les personnages que vous avez. En l'occurrence, pour l'instant, uniquement Tidus et Waka. Après, l'équipe va s'agrandir. Ouais. Le sphérié, donc ça, c'est quelque chose. C'est le système de compétences, donc le sphérié comme vous pouvez voir en ce moment. C'est le système de compétences qui vous permet de faire évoluer votre personnage. Donc ça, okay. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire en sorte que votre personnage évolue en force, apprenne de nouvelles attaques, vous devez déplacer votre personnage sur le sphérié. Et justement, alors... Pour le déplacer, vous avez besoin de prendre l'expérience, hein, comme tout RPG. Et justement, l'expérience, ça nous permet de pas d'amener la question de la durée de vie. Un RPG, bon, en général c'est très long, alors là, combien d'heures pour finir le jeu? Donc là, le Final Fantasy X, ça va être environ 70-80 heures pour finir la quête principale. Ouais, ouais. Après il y a les quêtes annexes, etc. Comme ça. Tout à fait. Ça c'est très long ça. Parce que les quêtes,
C'est vrai, c'est... Ça, c'est... Il vous faut, je sais pas, des centaines d'heures, hein, c'est hallucinant. Si vous voulez avoir les armes ultimes de chaque personnage, parce qu'après vous avez des quêtes à faire pour tous les armes ultimes, c'est vraiment hallucinant. Donc, tant de ce côté-là, vous n'avez pas. Donc, il n'y a pas de s'en faire pour la durée de vie, quoi. Ah non, là, de ce côté-là, je vous dis, il n'y a pas de problème. Au niveau. Bon, la réalisation, on a déjà dit, c'est très bien, vraiment, c'est. Les graphiques sont vraiment super pour 2002. Oui, ça c'est. Même pour maintenant, pour 2011, donc là, c'est ça reste correct. Là, c'est sûr. Après, la musique, donc. La bande son, j'ai entendu dire que l'OST tenait sur 3-4 CD. Oui, c'est ça, exact. D'ailleurs, si tu dis pas de bêtises, c'est encore Nobuo Uematsu à l'époque qui a créé la bande son de Final Fantasy X. C'est juste enivrant. Les images de synthèse, quand c'est certaines images, c'est vraiment fantastique. C'est très bien. D'ailleurs, ils reprennent c'est très onirique, pareil. Tout à fait, mais voilà, c'est le mot que je cherchais. Très onirique. Et ils reprennent un petit peu, par exemple, quand vous gagnez une victoire face à certains monstres, vous entendez le ta 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 ta. Bon, bref, là, le truc culte de Final Fantasy VII, ils reprennent, donc c'est agrémenté de petites choses comme ça, c'est vraiment sympa. Pour les connaisseurs, en tout cas, c'est vraiment super. D'accord. Personne n'est laissé pour compte, hein. Néophyte ou expert. Oui, parce que comme tu disais, la maniabilité c'est. C'est très très simple. Bien, donc, on dirige bien le personnage, il n'y a aucun souci. Caméra, il n'y a pas de souci de caméra. C'est un des premiers en 3D, donc je répète. Donc... Exact. Et alors, caméra, il y a certains soucis par moment, mais en fait, c'est parce qu'ils veulent vraiment faire des plans de caméra comme si vous étiez dans des films. En fait. Vous ne pouvez pas toucher à la caméra. D'accord. C'est la caméra qui se place pour vous, et donc des fois, la caméra va se placer de façon de biais, en diagonale, en hauteur. Ouais. Enfin, ils font des plans comme dans les films. D'accord. Ah, ça peut gêner, mais bon, après c'est pour les festivals. Mais après voilà, et puis vous êtes, ça favorise l'immersion, j'allais dire aussi, donc c'est oui, c'est vraiment, donc pour synthétiser tout ça, c'est vraiment un jeu qui est en forme de film un peu. Tout à fait, c'est ça, exact. Parce qu'il y a pas mal de cinématiques, il y a pas mal de, les dialogues, tout ça, bon, le scénario a l'air vraiment poussé. Ah oui, tout à fait, là, vous le verrez, enfin, je veux pas spoiler, mais oui, il est extrêmement poussé, donc là, de ce côté-là... Donc là on arrive au village, donc quand j'arrive dans ce village, c'est pour me présenter en fait au futur personnage récurrent, donc en l'occurrence Yuna, la jeune fille qu'on vous a montré sur la photo en première partie, et d'autres personnages, donc comme Lulu, Messi, donc Riku qu'on a rencontré un petit peu avant cette scène cinématique-là, mais qu'on vous a pas montré. Riku, c'est un personnage, mais je voulais pas montrer parce qu'il y en a deux trop, mais que vous rencontrerez plus tard, donc... Donc là, en fait, ce que je vais faire pour être sûr qu'on ait tout le temps qu'on veut, je vais charger une nouvelle partie pour pouvoir vous montrer une invocation de Chimère. Parce que qui dit Final Fantasy dit grande cinématique d'invocation de Chimère. Voilà, donc ce sera le combat, enfin le... On va invoquer une Chimère et... Voilà. Pour pouvoir vous montrer exactement comment, enfin à quoi ça sert dans Final Fantasy, dans le jeu. Ouais. Parce que vous avez toujours des chimères dans quel que soit le... Oui, ok, je vous expliquerai bien ce que c'est. Hein. Pas de soucis, y a pas de problème. Je préfère le faire maintenant, au cas où on aurait plus de temps plus tard. Enfin, parce que comme vous savez, ça passe très vite. Le temps passe vite. Nos playing tubes sont tellement fantastiques qu'on voit pas le temps passer. Donc, on recherche une partie. Donc là, en l'occurrence, je choisis une partie. Que j'ai terminé, on voit l'affichier. Non, mais on voit 73 heures de jeu. Voilà, 73 heures de jeu, donc j'ai juste refait la quête principale. On voit les pros qui testent les jeux à fond. Voilà, exprès pour ce playing tube. J'espère que vous serez satisfait. Donc là, bon, de toute façon, je ne vous explique pas où on est, ou pourquoi, comment. Hein, vous avez, voilà, c'est la phase finale du jeu. Comme ça, en même temps, vous allez pouvoir voir mon équipe. Enfin, est-ce que je leur montre, tu crois, les personnages récurrents Non, ouais, tu peux y aller, ouais. On va leur montrer. Et comme ça, en même temps, vous verrez les particularités qu'on peut trouver en phase de combat, que je ne pouvais pas vous montrer tout à l'heure. Donc, juste en espérant, oui, toujours. D'ailleurs, c'est très pratique parce que c'est vrai que des fois, on se sent un petit peu perdu. Voilà, donc je vais toucher un petit peu de gaffe. Voilà, donc là, Auron, le personnage à droite que vous avez pu rencontrer en début de jeu. Yuna, à gauche. Personnage récurrent. Ce monstre. Qui est la magie blanche. Et ce monstre en l'occurrence. Okay. Donc là, on va invoquer une chimère. Donc on va invoquer Bahamut. C'est celle. Enfin, si vous êtes fan de Final Fantasy, vous devez connaître Bahamut. Je n'en doute pas. J'ai dit pour ceux qui ne sont pas fans. Donc, Bahamut, c'est une chimère, une espèce de dragon ailé.
divin, mythique, je sais pas comment appeler ça. Ouais. Mais c'est donc la chimère la plus pure, en tout cas pour moi, après chacun ses préférences, bien entendu. Je ne veux surtout pas vous en lancer, chers téléspectateurs. Donc voilà, la chimère qui arrive, donc toujours aussi bien fait, hein. Je sais pas si vous... Ouais, c'est vraiment bien, les effets de lumière, de poussière, là-bas. Voilà, pas d'image de synthèse, c'est juste le moteur du jeu, mais c'est déjà... Donc cette chimère, voilà, donc une fois qu'une chimère est invoquée, comme vous pouvez le constater, tous les personnages du jeu sont bons. Je ne peux utiliser que ma chimère, parce que c'est une créature surpuissante. Puissante que... ok. Donc là, je vais faire une seule attaque ultra spéciale pour vous montrer. Donc ça, c'est l'overdrive dont je vous parlais en première partie, l'attaque ultime donc de cette chimère. Parce qu'en l'occurrence, chaque personnage et chaque chimère ont des attaques ultimes. Regardez comme c'est beau, là, il va me trancher sur lui. En général, on fait pas ça pour on fait pas ça pour un petit monstre de bas étage hein, comme ça. C'est vraiment on l'utilise pour les boss ou des choses dans le genre. Bah mais toi, c'est bien de montrer. Donc la personne du boss. Ok, donc je vais rappeler ma chimère hein, parce que c'était juste pour la chimère. Il est en train de. Là, vous voyez, il est en train de me défoncer. Enfin, là, je ne peux rien faire. Là. Ça va plus. Donc, rappelez la chimère. Non, pourquoi on n'est jamais très bon dans le fait. On va savoir. Ça date pas d'aujourd'hui, je crois. Non. Donc, là, je rappelle ma chimère pour vous montrer aussi les petites attaques spéciales de certains personnages. Donc, par exemple, Titus, vous voyez, donc là, je suis pas allé dans technique. Je lui ai appris différentes techniques au cours du jeu, du parcours. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer Après, c'est RPG classique. Oui, ça reste RPG, oui, voilà, très classique. Bon, c'est ça qui fait le charme du jeu. On aime bien. D'un côté, s'il bougerait les codes. On apprécierait peut-être moins. Ouais, c'est ça. Et pourtant, ça reste innovant. Tout à fait, exact. C'est là, ils sont... Square Enix est très fort là-dessus, c'est vrai. Oui. Enfin, Squaresoft, puisque ça a changé. Oui, c'est Squaresoft là qui a développé le jeu. Donc là, j'utilise, oui, voilà, une magie blanche que j'ai pour mon personnage, une booster. Ce qui me permet d'accélérer les personnages et ce qui va faire qu'ils vont pouvoir attaquer beaucoup plus vite. Enfin, comment dire, beaucoup plus régulièrement dans chaque tour. Avant, je vais attaquer une fois tous les trois tours, maintenant, je vais attaquer deux fois par tour. D'accord. Mais c'est plein de petites combines de magie blanche qui me permettent de gagner les combats. Enfin, les mouvements sont beaucoup plus accélérés. Mais vous en avez besoin pour gagner certains combats parce que la liste de difficultés. Et jouable, c'est jouable, mais au fur et à mesure que ça avance, c'est vraiment. Les points, ça se. Les points d'expérience, ils s'acquièrent rapidement. Oui, ça va, c'est plutôt. De ce côté-là, c'est plutôt bien fait aussi. Enfin, ça avance, enfin, pas trop vite non plus, parce que voilà, il faut. Oui, il faut. Mais c'est le bon timing, je dirais. Franchement, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc là, je suis en train de vous montrer aussi qu'on peut choisir la formation, l'équipe qu'on veut. C'est toujours trois personnages par combat. Ok. Donc là, on avait Owen, Titus et Yuma. Donc là, par exemple, je vais mettre Lulu à la place de Owen. On va prononcer en anglais, s'il vous plaît. Et donc j'ai, par exemple, en général, j'essaye de combiner dans la phase de combat une personne qui peut utiliser la magie blanche, une autre de la magie noire. La magie blanche, je vais venir en soutien. Tu peux faire des combinaisons pour booster tes dégâts. Tout à fait, exact. C'est ça qui est très pratique. Ça, c'est un autre qui existe particulièrement. De rendre les personnages cinglés. Ce qui fait qu'il y a possibilité que je puisse perdre. Hein. Si vous voyez les petites étoiles autour de mes personnages, ça signifie une altération d'état. Donc mes personnages vont peut-être s'attaquer entre eux. Donc là, ça se trouve, je vais avoir un game over. Ça serait super pour ce planning. Bon, on va espérer que non, mais là, vous voyez, je suis un peu perdu. Bon, moi, si ça pète, ça va sans doute clôturer ce planning tube, puisqu'on arrive sans doute à la fin. Donc on va rester là-dessus, je vais même poser la manette pour conclure. Voilà. Et laisser à nous. Mais en résumé, très bon jeu, vous pouvez vous jeter dessus, il n'y a pas de problème. Ouais, même les fans, même ceux qui sont pas fans d'air. Bah oui, Pierre, je te conseille. Sinon, tu auras affaire à moi. Hein, donc, voilà, je vais acheter le jeu, même si j'ai pas de baisse. Tu peux le trouver en version platine. Bon, je te laisse le mot de la fin, vu que c'est toi. Le mot de la fin, un jeu très sympathique, vraiment. Qui donne vraiment envie à jouer. Donc, voilà. C'est dire. D'ailleurs, il va prendre la manette de suite. Voilà, de suite, là, je vais me jeter dessus. C'est... Voilà. Non, tu dis pas sur la manette. On espère que vous avez apprécié. Et on vous dit à bientôt. À la prochaine dans un prochain YouTube. Chez Thomas encore, on espère. J'espère bien, vous êtes les bienvenus. Allez.
À bientôt. Bonsoir. Ciao.